Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros, ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bucks les potos. Pour y participer, il faudra être là soit l'après-midi à 17h ou soit le soir à 22h. Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important, les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 1 du pass de combat de la saison 4 les potos. Donc tout simplement dans ce tuto je vais vous présenter comment trouver les lettres Fortnite. Donc il va falloir trouver 8 lettres et il va falloir les trouver dans un peu importe l'ordre, mais je vais vous montrer tous les emplacements que je connais. Donc c'est parti. Donc c'est tout simple, là je vous mets la carte de Millennium où il y a tous les emplacements. Donc moi je vais les faire en game, donc je vais aller à Crazy Grove, puis après je vais aller à Tilted Tower, je vais aller à Pleasant Park, je vais aller à Antle Hill, puis j'irai sur Anarchy, j'irai sur Risky, puis après j'irai sur... Enfin voilà, j'irai faire tous les emplacements que je peux. Donc là c'est parti. Et si j'y arrive pas, bah tout simplement je vous montrerai les emplacements que je n'ai pas pu faire dans cette vidéo. Donc je vais essayer de les faire un maximum, mais après je vous promets pas de tous les faire. Alors à Crazy Grove, où est-ce qu'il se trouve cette petite lettre? C'est bon, je l'ai trouvée. Donc la lettre se trouve dans le terrain de jeu, donc je vais juste prendre une arme avant. S'il y en a une quelque part, ouais nickel, juste ici. Donc elle se trouve sur le terrain de jeu juste là. Donc il faut la collecter bien sûr. Et bien sûr, bien entendu, il faut finir la game, soit mourir ou soit finir la game pour que la lettre soit validée. Si vous en avez ramassé deux, c'est pareil, il faudra finir la game pour que la valider. Donc là je vais directement partir sur Tilted Tower, parce que voilà, ben, l'objectif de cette vidéo c'est de faire toutes les lettres en une seule game. Donc s'il y a moyen ce serait cool, si j'y arrive pas tant pis. Mais le but n'est pas de faire des kills. Donc voilà, c'est parti. Si vous connaissez plus d'emplacements que ce que je vous ai affiché sur l'image de Millennium, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait la communauté à savoir plus de renseignements. Donc à Tilted Tower, on peut très bien voir que c'est juste au-dessus de l'horloge parce qu'on voit une lueur, donc je suis sûr que c'est là-haut, donc je vais essayer d'y monter. Il y a justement un ennemi qui monte, j'espère que... Oh putain, je vais déjà me faire défoncer. Bon, aller à Tilted Tower, c'est vraiment très risqué les poteaux, donc je vais essayer de me barricade et de récupérer de la vie. Putain, moi je veux juste aller sur l'horloge les poteaux. Hein. Ok, donc là j'ai le haut, donc je vais essayer de le récupérer. Et je vais essayer de me casser super vite. Ouais. Ok, il faut absolument que je mette un sol apparemment. Ok, là je peux le récupérer. Hop, hop, hop. Voilà, deux lettres. C'est faux. Donc là on se casse, on redescend. Donc maintenant je vais me casser... à Pleasant Park, hein. Pleasant Park, ouais. Putain, je me suis fait tuer. Bon, bah tant pis. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais vous montrer. Bah, je vous remonte la carte là. Et là, je vais vous montrer bah, tout simplement à Anarchy. Il se trouve juste ici. Donc, il y a une image. Sur la grange rouge. Alors, au manoir de Lonely Lodge. Juste sur le nouveau bâtiment au sud de Lonely Lodge. Donc, il y a un nouveau bâtiment donc, qui se trouve vraiment tout au-dessus. Alors, celui à Crazy Grove, bah, je vous l'ai montré déjà. Donc à Salty Spring, c'est tout simplement sur la cabane en bois qui surplombe la ville. Donc voilà. Au container, bah, c'est sur le truc que vous voyez métallique là au-dessus des containers. À Pleasant Park, bah, c'est sur le toit qui se trouve en plein milieu de Pleasant Park. À Risky Rails, donc c'est la toute nouvelle ville, et bah, ça se trouve justement dans l'écran du cinéma. Au Triangle des Arbres, donc qui se trouve près de Retiro, c'est tout simplement bah, sur la petite maison en briques que vous voyez. À Dusty Depot, bah, c'est tout simplement sur un pilier électrique qui se trouve près des dépôts. Donc on peut voir les dépôts en face, donc c'est vraiment de l'autre côté du cratère. À Mostimir, c'est entre l'hélicoptère et le grand écran vert, comme vous pouvez le voir sur un morceau de bois, ou peut-être sur l'écran vert tout simplement. À Huntled Hill, ça se trouve un peu en plein milieu bah, du cimetière, donc je ne saurais pas trop vous dire où, mais voilà, vous pouvez essayer de vous repérer via la carte et la map qui est en haut à droite. Et le dernier, c'est Tilted Tower, bah, que je vous ai montré aussi, c'était sur l'horloge, tout simplement. Donc voilà, alors là, je vais tout simplement quitter la partie pour vous montrer que bah, j'ai bien validé le défi. Enfin,
pas tout le défi, mais j'ai validé au moins deux lettres, donc je vais bien vous montrer ça. Donc défi semaine 1, chercher des lettres Fortnite 2 sur 8. Donc voilà, j'ai commencé déjà ce défi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.